Amis des analyseurs de spectre, bonjour. Aujourd'hui, une petite vidéo du dimanche pour vous montrer comment on peut utiliser un signal de bruit pour mesurer des bandes passantes avec un analyseur de spectre. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai branché mon générateur Rigole en lui demandant de générer donc un signal de bruit de 200 mV, donc sans offset. Et j'ai branché directement ça sur l'entrée de l'analyseur de spectre. Et on voit ici que le signal donc donne une amplitude relativement constante jusqu'à ici, donc un moment où vraiment ça baisse très très rapidement. Donc j'ai mis un marqueur dessus, on voit que ça baisse aux alentours de 258 MHz. Donc je rappelle qu'un signal de bruit blanc, c'est un signal normalement qui va contenir donc toutes les fréquences en fait, hein, au même niveau d'énergie, jusqu'à l'infini, mais enfin ici, jusqu'à une fréquence donnée. Parce que, contrairement à ce qu'on appelle le bruit rose, par exemple, le bruit rose, lui, il baisse avec la fréquence. Le bruit blanc, il est censé être relativement constant. Donc voilà, ici on voit bien que c'est en effet bien ce qu'on voit sur l'écran, c'est-à-dire qu'on voit que toutes les fréquences sont présentes à peu près, jusqu'à donc à cette limite où ici ça descend. Alors une façon de l'utiliser, c'est de le mettre à l'entrée d'un filtre par exemple, et de regarder ce qu'il y a à la sortie, ce qui nous permettrait de voir qu'est-ce qui passe et qu'est-ce qui passe pas. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Voilà, j'ai mis un filtre à quartz entre le générateur et l'analyseur. Et voilà ce que ça donne. Bon, pour arrêter que l'image gigote, là j'ai arrêté. Donc ici, on peut voir qu'on voit très bien hop, le pic qui correspond donc à peu près à la fréquence du quartz. Hein, là, donc c'est 10,36. Hein. C'est un 17, je crois, enfin, je sais pas exactement. Enfin, ici, voilà, on voit bien le côté filtrage donc du filtre. Donc, c'est une façon de mesurer la bande passante de certaines choses, sachant que généralement, c'est quand même pas ce qu'on va utiliser. On va utiliser la fonction tracking de l'analyseur pour mesurer les bandes passantes. Donc, ça, bon, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Donc, voilà pour cette petite vidéo du dimanche. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour d'autres vidéos.